Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de The Guild 2, dans lequel nous incarnons l'ami Unio. Ah oui. Alors. J'ai fait passer un petit peu de temps, enfin j'ai joué surtout en fait en off, histoire de... avec Lay, au niveau des postes de fonction de Hambourg, arrivé cardinal. Il me faut maintenant atteindre le titre de roi. Cependant, on ne peut pas postuler pour le titre de roi. Hop, si on fait, hop, par exemple, postuler un siège, roi, la charge est occupée. Donc je ne peux pas. Cependant, bah je peux tout simplement éliminer cette dynastie. Hein? Mais j'ai pas le choix. Hein. En vrai, j'ai vraiment pas le choix. Donc, ce que je fais, c'est une petite inquisition. Un employé est sur le point de mourir. Ouais, j'ai plein d'employés qui sont en train de mourir aussi, ouais. C'est pas très grave, j'ai de l'argent de côté d'ailleurs. On va bientôt passer le cap des 10 millions de patrimoine. voilà, lui il est en train de faire son acquisition, pépère. Et si je me trompe pas, j'ai demandé de faire l'inquisition sur lui. On n'a pas la même religion, donc ça devrait fonctionner. L'offre spéciale d'un comptoir. Donc on va voir. On va ramener du renfort à Hambourg au cas où. Il y a des matières premières à vendre à un bon prix dans un comptoir. Pas grand chose à foutre du fer. Un employé est sur le point de mourir. Je peux, oui, je peux aussi conduire une croisade, ça c'est pas mal. Ouais, tous mes employés sont en train de... Ça c'est moche. Allez. Prépare ton inquisition, je te suivrai là où tu iras. J'ai ciblé bien évidemment la souveraine. Hein. Alors vous en doutez, quand le souverain meurt, bah c'est son hérétique qui prend la place. Donc on va suivre. Où est-ce qu'il va? Donc là il a pris quelques. Un employé est sur le point de mourir. Une dynastie est en... Voilà, mon employé qui sont en train de crever, quoi. Hop. On va le suivre. Où tu sais qui va? Ok, voilà. Je te suis. Bonjour à toi. Votre charge est en danger. Vous n'avez pas honte. Hop. Ce qui fait qu'on l'a emmené. Une menace contre vous n'a plus. Et. Une dynastie est en deuil. Voilà, suivre. Un employé est sur le point de mourir. Et là, bah, la pauvre, elle va être jugée. J'ai bien l'impression qu'elle va être jugée coupable. Hein. Oui, oh bah dis, c'était la reine. C'était la reine. C'est pas de chance quand même, hein, mais bon. Alors s'occuper de lui maintenant quoi. Bon, je suppose que je peux pas faire de acquisition tous les 3-4 matins non plus. Donc dès qu'il sortira de la ville,
Dès qu'il sera un endroit, voilà, un peu écarté comme. On est où là? Bon, ah ouais. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va ramener. Ramener quelques gens ici. Eux, on va demander à escorter mon brave gars. Et ouais, il va leur arriver malheur, quoi. J'ai pas le choix. Là, pour le coup, j'ai absolument pas le choix. Après, si ça se trouve, il va retourner au même endroit pour aller travailler, lui. Ce qui serait pas con à ce point-là. Totalement. Bien sûr qu'ils sont tous couillons. Hop là. Ah bah non, même mieux. Oh, manie. Allié? Birman? Non, on n'est pas allié. Merde, je suis allié avec eux. Fais chier. Je vais aller à ma piole. Je crois que ça, c'est ma piole, non? Pas du tout. Elle est où ma piole? Elle est quelque part dans le coin, ma piole. Elle est là. Et je vais arrêter le. La diplomatique avec les Bayerman. Nous voilà bien avancés. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Voilà. Et le but, ça va être de le rattraper. Il est pas très très rapide comparé à. Comparé à moi. Allez, attaque. Un roi qui se bat tout seul. J'ai jamais vu ça. Même pas de garde au roi. C'est quoi cette blague? Il a même pas d'armes. On appelle ça un roi. Ok, qui est le suivant? C'était qu'un roi, c'est pas grave. Le suivant, il est là. Très bien. Ok les gars, j'ai besoin d'aide. Allons-y. Où dois-je attaquer? Si vous le dites. D'ailleurs, est-ce que je commande. Non, je commande pas la garde. Ah, quel dommage. On va leur dire d'aller là. J'ai pas fait venir des péons là. Je veux piller. Ah non, c'était de la deuxième maison. Oui, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite bombe incendiaire. Allié. Comment ça allié? Bah non. Attends, il travaillerait pas à sa propre. Wow. Attends, wow, il a bougé tant que ça. Attends, il travaille pas dans sa propre. Dans ses propres boutiques, lui. Ok. Plus quoi faire de ces rats.
Attends, mais c'est quoi la blague? Pourquoi on est redevenu allié? C'est pas logique. J'ai cassé l'alliance et on est déjà rallié. On va devoir attendre. La dîme de l'église vient d'être... Ouais, d'accord, c'est quand même chelou. Hein. Rémission des péchés. Il y a quelqu'un qui vient me faire la rémission de tous mes péchés. Génial. Tous vos péchés ont été pardonnés. L'inventaire est plein. Ah, c'est génial. Lit de preuve. Cardinal Lay Junior. Mozo. J'ai rien fait du tout. Ah si, oh, un petit fleur de la Discord là, c'est bon. Ok, va saboter s'il vous plaît, le puits en plus il est là, on sait exactement d'où ils vont sortir. Ah, il est là-bas. Non, il est là. Par contre, ils ont une sacrée famille. Hein. Ça met du temps. Hein. Hop. Ça met du temps de tous les éliminer. Alors, il faut que je trouve... Ordo Beherman. Ah, bah, il est là. Ouais. Voilà. Encore une fois, c'est buggé. L'inventaire est plein. L'inventaire est plein. L'inventaire est plein. En avant! Merde, c'est pas bon. C'est pas grave. Tout ce qui porte le nom de Beherman. Au travail. Ils peuvent devenir de potentiels successeurs. Allez, on va s'en charger. Vous venez de commettre un meurtre. Qui? Ah, lui aussi. Salut, tu te présentes comme volontaire? Merci. Coup des Beherman. Il beau avoir 88 ans. Vous venez de commettre un meurtre. Bon, il s'est barré où lui? Vous venez de commettre un meurtre. Ok, il est à la taverne. Il y en aurait d'autres des Beherman là, hein? C'est quoi ça? Oh, c'est un garde. Oh. Petit gardounet, ouais, il y en a des fois. On est Beherman, il y en a? Non, j'en vois pas d'autres. Hein. Hop, ça, ce sont mes troupes.
Ah bah regardez qui est là. Il est revenu. Il a appris qu'il y avait 5 ou 6 membres de sa famille qui étaient morts. T'inquiète pas, très très bien. C'est très très bien ce qu'il me reste à faire. À convoquer la noblesse de ce pays. Hop, on va bien se faire voir, bien évidemment, par tout le monde. Et de commettre un meurtre. Mais non! Postuler à la charge 2. Et je vais postuler à la charge de roi. Rien que ça. Salut. Voici ma candidature à une charge. Merci de la transmettre. Le conseil municipal se réunira bientôt pour discuter du siège vacant. Soyez à l'heure. On va voir agenda 65, 64 heures, 65 heures. Allez. Déjà l'heure de partir? 51 ans, acheter une chaîne. On va acheter plein de chaînes des cheveux. Quelqu'un vient de vous parler. Nous voilà bien avancés. Quelqu'un vient de vous parler. Il est temps de bien se faire voir à Hambourg. De se faire bien voir plutôt. Oui, de se faire bien voir à Hambourg. Spécial d'un comptoir est terminé. Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs. Et vite, un employé est sur le point de mourir. Ah, tous mes employés. Une dynastie est en deuil. Oh, c'est ballot. Ah, Bergen. Super, on subit le courroux d'yeux. On se demande pourquoi. J'ai de la place dans l'inventaire. Oui. Quelqu'un vient de vous parler. J'ai acheté pas mal de chaînes. Quelqu'un vient de vous parler. Il y a une offre de nous. Quelqu'un vient de vous parler. Une dynastie est en deuil. En avant! Une dynastie est en deuil. Quelqu'un vient de vous parler. Quelqu'un vient de vous parler. Hop, continue. Un employé est sur le... Une petite dernière supplée. En avant! Ah non, je peux plus. Ok. Voilà, ils vont tous aller là où il y a Lei. D'être réglé. Tu peux peur, des top peur. Je sais même pas qui c'est. De toute façon, c'est bien. J'ai besoin d'être connu. Pour avoir des élites. De toute façon, ils n'ont qu'un choix. Le roi, vous avez le choix entre moi, moi, moi et moi. Alors, pour qui allez-vous voter? Ouais, tous les employés là, ils ont un tarnage là. Une dynastie est en... J'espère juste, si je me prends le karma en disant ça, quoi, mais que mon personnage principal, Tiob, il arrivera. Ça va faire combien là? Enfin, il sera encore vivant au moment de l'élection de son arrière-petit-fils ou son petit-fils. Au poste de. De roi quand même. Ce serait dommage.
Ne faites pas semblant d'être fatigué. C'est vraiment dommage si ça n'était pas le cas. Quelqu'un vient de vous parler. Oh, échevin célèbre, 127, la vache. Voilà, donc on va se faire beau, on va montrer nos magnifiques bijoux. Bon, par contre, je crois jusqu'à Londres, on apprécie moyen. Oh, c'est moins mal déjà. Il y a Chadwick. Une vieille dynastie qui s'est souvenue de certains de mes. Alors, j'allais dire mes faits, mais non. Certaines de mes actions plutôt. Qui pouvaient leur porter préjudice, mais pour un bien commun. Le travail, c'est toute ma vie. Comment ça? Bizarre ce que je dis. Mais non. Allez, lui, il a fini son travail un peu de prosélytisme. Ça fait jamais de mal. Oui, en parallèle, j'ai un peu à rajouter des... J'ai rajouté pas mal de commerce. J'en ai créé à Hambourg principalement, mais bon, je suis pas assez prêt. Hein. Voilà, c'est. T'as envoyé tout ce que j'ai. Là, ça défile hein, sur le côté. Hein. Ah, c'est. Et on a passé la barre des 10 millions. Et je peux pas acheter de nouveaux titres. Vous avez déjà le titre le plus élevé. Dommage. Je vais essayer. J'ai plus de chaîne des chemins, moi. J'ai pas réussi à en acheter une. C'est bizarre, ça. Pas dû faire attention. Je peux vous dire, tout le monde va nous connaître. Hein. Tout le monde va connaître nos chaînes des chemins aussi. Prochaine réunion dans 44 heures. Spécial d'un comptoir est terminé. Ok. Je dois faire quelque chose au sujet de ces rongeurs et vite. Acheter une petite chaîne, toi. Ça ne prendra pas longtemps. Quelqu'un vient de vous parler. Le travail, c'est toute ma vie. Impeccable-toi. Et t'as fini bientôt, là. J'aimerais bien voir le taux de le ratio catholique protestant à Bergen. Ça me dit qu'il doit être sacrément élevé. Hein. Il y a des matières premières à vendre à un bon prix dans un comptoir. Oh là, bah dis, hein, Bierman? J'ai vu un autre Bierman. Tu me le vois. Il y a des tire-laine de partout ici, hein. Où est la marchandise? Vas-y, encore du Bierman. Oh bah, j'ai peut-être... Oh. À moins que ça soit pas les mêmes. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Pourquoi ils ont pas pris... Alors ça me va, mais c'est bizarre qu'ils n'aient pas pris le poste. Je mets une belle chaîne devant les tire-laine. Un peu de constitution, on ne sait jamais. Il vient m'embêter. Ce serait plus difficile à. Un employé est sur le point de mou- à blesser. Allez, deux magnifiques chaînes d'échevin. Il y a un peu
pub à vendre, mais je peux pas. Trésorerie de la ville, 3 millions. Tu me diras ici aussi, hein. C'est où c'est là? J'ai acheté mon dernier titre à Hambourg, donc plus de millions là. La taxe sur les ventes, elle est. Ouf. Elle est 20%, hein. Bon, et si on faisait le tour des commerces, etc. Ah ouais, c'est abîmé, hein. Une dynastie est en deuil. Parce que... Un bâtiment vient d'être rénové. On a quand même pas mal de décès. Hein. On n'irait pas, hein. Ah oui, si, ah, d'accord, c'est 7000. Et sur 7000, il y en avait deux, rien que là, quoi. C'est dingue, pourquoi les maisons sont abîmées comme ça? Je suppose qu'il y a eu un petit feu, un petit incendie, un petit truc comme ça, ouais, que j'ai pas vu sur le coup, mais... Ça, voilà, ça permet en plus ça de faire un petit tour de tous les bâtiments. Un bâtiment vient d'être rénové. Un bâtiment vient d'être rénové. De voir à quel point on a énormément de... De production de richesses, ou alors de richesses en soi, hein, les maisons sont des richesses. C'est tout. L'offre spéciale d'un comptoir est terminée. Alors, le nombre de fois où on m'a dit un de vos employés sur le point de mourir, on a pas mal qu'on a dû survivre, hein, parce que... Parce que j'ai pas l'impression d'avoir embauché des masses. Hein. Voilà. Bon affichage, il y a toujours une WAC en plus. Hein. Si on regarde dans les dynasties, unité importante, dynastie. Unité importante, ça doit être ennemi. On va pas aller chercher dans les ennemis. Ennemi. Ok, que nos WAC. Qui reste bien chez eux et hop. Oh, regardez, on va pas se priver. Hein. On va aller chercher lui. Rien de tel qu'une bonne bière. Si on peut en prendre un. Salut à toi. Bum 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 bum. Voilà. Mais non. Un règlement de compte, c'est pas pareil. L'inventaire est plein. Elle est buggée. Tiens, tu sais quoi, je vais envoyer lui, là, foutre le feu. Pour le débugger un coup. Oui, c'est radical. Oh. En plus, ça part pas trop loin, c'est pas si mal. Vos soignants ne peuvent pas soigner leurs patients. Ah, zut. Un comptoir achète de la nourriture. Il manque des choses. Couleur de la Discord. Tiens, non. C'est ici, hein? Non, c'est peut-être chez moi, là, tu me diras. Je n'en sais rien. La dîme de l'église vient d'être modifiée. Apparemment, elle est sortie déjà, elle a capté.
J'ai bien d'œil cruel, rien. Hein. Ouais, là, Edor, elle a oublié, elle a besoin d'oublier son deuil. Vous venez de tomber malade. Hein? Une carie? Regardez, on va faire des miracles. Merde. J'espère que ça va pas annuler. Non, c'est bon. On va essayer de guérir notre carie et on va faire un miracle. Wow, 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 wow. Un employé est sur le point de mourir. Tenez toutes les maladies et éteindre les incendies autour de vous. Bah non, je soigne pas mon abcès dentaire. C'est nul. On va essayer de soigner ta dent, toi. Eh ? Va chez le médicus. Un employé est sur le... Et maintenant... Venez soigner ma dent. Ah, toi, t'es saoul, toi. Toi, t'es saoul. J'aurais des saouls sur les lits de l'hospice, quoi. C'est nul. Y'a personne dans cet hospice de pacotille. Ah, tu me diras, il fait peut-être nuit. Peut-être en plein milieu de la nuit, quoi. Y'a la queue, hein. Oh là là. Je suis là. Non, non, continue à faire la queue, là. Ça devrait arriver, là. Soigneur devra arriver. Un employé est sur le point de mourir. Et bon, j'ai besoin de me faire soigner dedans, mais c'est de la merde ici. Et quoi cet endroit là, c'est pourri. Même pas se faire soigner une dent. L'hiver, filou, lettré. Bon, si on peut pas se faire soigner un endroit, on va créer un endroit pour se faire soigner. Et quoi? Et oh. Comment ça j'ai pas le droit là? Pas faire une hospice là? C'est dingue ça. Moi je voyais foutre le feu ici. Hein. Allié. Oh, putain. Tiens toi. Bon, bah, te fais pas soigner ta carie. Achète une petite chaîne d'échevin, mon ami. Quelqu'un vient de vous parler. Un employé est sur le point de mourir. Il n'était plus qu'à attendre la convocation. Allez. Mon Bierman, ce que je viens de démolir. Il m'aime déjà beaucoup. In vino veritas. Variatio delecta. Quoi maintenant? Ardua prima via est. Toi, tu vas à Bergen et viens le mieux, tu vas à la salle de l'assemblée, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, il nous faut un nouveau roi. Et ce roi, ce sera moi.
Êtes-vous prêt? Moi, je le suis. Alors ça, par contre. Ciao, 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 ciao. Calmons-nous un peu et commençons la séance du jour. Passons maintenant au débat sur la charge suivante. Le trône de notre souverain. Le candidat suivant se présente. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul candidat pour cette charge, inutile de prolonger les débats. L'inventaire est plein. Enfin, j'ai gagné! En effet, tu as gagné. Du jour concerne le débat sur la charge suivante. Je viens de vous parler. La très puissante chair de souverain. Bon, le reste, on va rien la secouer. Quelqu'un vient de vous parler. Ah oui, j'ai l'élection du scout aussi à Bergen en même temps. Hubmalster, de Montofric. Quelqu'un essaie de vous soudoyer. Oh, comme c'est gentil de votre part. Je vous en remercie de tout cœur. Bon, on va s'abstenir, hein. Tout le monde nous a demandé de les aider. Quelqu'un vient de vous parler. Non, non, on va pas menacer. Quelqu'un vient de vous parler. Bien évidemment, on vote pour nous-mêmes de l'autre côté. Ça, pour ça, faites-moi de confiance. Quelqu'un essaie de vous soudoyer. Erlandson. Quelqu'un vient de vous parler. Il va pour l'Erlandson. Quelqu'un vient de vous parler. La demande d'un comptoir est terminée. Merde, ils sont passés de bourreau et je crois que c'est le dernier. Je vous remercie de votre confiance. Honorable membre du conseil, je vous remercie de votre attention. Ce sera tout pour aujourd'hui. Faites bien attention en regagnant vos foyers. Et je crois qu'on a gagné. Vous prenez votre siège. 1470 expériences, c'est pas mal. Et nous sommes désormais roi en la ville de Hambourg. Bon, certes avec un abcédentaire, mais roi quand même. Félicitations, la Union s'est fait nommer roi à Hambourg. Et reçoit par conséquent les privilégiés immunité. Appelé la garde royale dépossédée. Discours enflammé et annulation de l'immunité. Appelé la garde royale. Dépossédée. Donc souvent, vous aimez bien tous ceux qui s'opposent à vous. Et oh, c'est sympa ça, discours enflammé. Il ne suffit pas de soigner la noblesse pour rester longtemps sur le trône. Le petit peuple a aussi besoin qu'on s'occupe de lui. Un différend vient d'être réglé. Nous voilà bien avancés. Ah ouais. Ok. Et quoi, on va essayer deux choses. Déjà, déposséder. Le travail, c'est toute ma vie. Parce qu'ils sont pas capables de soigner mon abcès dentaire. Donc, c'est comme je vous disais, en tout début de partie. Quand il y a des incapables, il faut les racheter et faire en sorte que ça tombe bien. Tiens, par pur, est-ce que... Non, d'accord, je peux pas racheter de titre. Ta volonté naturelle est par le sang royal qui coule dans mes veines, je réclame bâtiment de l'hospice. Vient d'être rénové. Voilà. Gérer le bâtiment. Il y a un employé en ville, ça, manuel.
Les apprentis suffiront maximum. Un gars dans mon état. On améliore dès qu'on peut. Et là, ça, on vend parce qu'on s'en fout. C'est une charrette toute pourrie. On achète des bonnes charrettes à cheval. Et puis voilà. Ah oui. 150%. C'est très bien ça. Le temps que ça se lance, on va faire un petit discours enflammé sur la place du village. Alors ici là. Je vais mettre un terme définitif au sous des intrigues qui rongent l'état. Connu au milieu de mes sujets. Je vais réduire les impôts et révoquer de nombreux fonctionnaires de la cour. Tout cela, je fais pour tous mes sujets. Mais... ah, c'est un vrai politicien. Plein de promesses, mais aucune tenue. En ce moment, j'ai connu dormir contre l'ennemi et verser mon... ah bon, non, ça non plus. Ça, c'est un bon gros mytho. Moi seul suis la raison de votre prospérité. Sans moi, les contrastes auraient perdu. Ah, ça, c'est peut-être pas faux. Là, par contre, peut-être pas faux. Ouais, ça, on a déjà vu. On a déjà vu. Bah, disons que c'est mieux que la chaîne des chemins, quoi. Pourquoi il y a des tonneaux, là? Ouais, d'accord, c'est des gens qui se plantent dans les tonneaux. Très bien. Okay, c'était sympa, ce petit discours. Et la garde royale. Sur le marché. Ah, ici, là. Ah, c'est la garde royale. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, est-ce que je peux me faire soigner maintenant? Nous voilà bien avancés. Comment ça? Votre charge est en danger. Il a 92 ans, il aura vu son petit-fils ou son arrière-petit-fils, je sais pas, devenir... hein. Regardez ma générosité. Ah oui, mais non, mais il est un peu tôt du matin là. Je vais pas produire ce qu'il faut. Alors les charrettes, vous faites quoi? Produisent rien. Un employé est sur le point de mourir. Ah voilà. Je me sens vraiment mal. Aidez-moi, je vous en prie. C'est moi à vous examiner. Trois fois, hélas, nous n'avons pas les bons remèdes pour vous guérir. Tu vas me remettre contre la douleur. Ils vont me remettre contre la douleur. Les soignants ne peuvent pas soigner leurs patients. Ah, je sais. C'est terrible ça, hein. Reviens là. On va filer quelques primes. Voilà, on aura réussi à devenir roi. Tout en haut de l'échelle, magnifique. Il n'y a personne au-dessus de nous. Nous sommes la puissance incarnée. Bon, y a eux qui pourraient m'embêter, mais bon... un problème. Allez. Bah, c'est ici qu'on va arrêter la série, du coup. Sur un abcès dentaire. J'espère qu'elle vous aura plu, la série. Et que le let's play narratif qui a été fait avec vous a plu également. Moi, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le contenu habituel. Ou pour de nouvelles séries, de nouvelles saisons sur un autre jeu. Ne faites pas semblant d'être fatigué. Un gros merci à tous d'avoir suivi encore une fois, et je vous dis à la prochaine. C'était Yob, faites attention à vos dents.